Voici la technique pour arriver à reproduire votre profil avec une photo imprimée de vous. D'abord, avec votre Exacto, découpez le tour de votre profil. J'ai d'abord utilisé un crayon feutre de couleur pour bien faire remarquer la coupure que je dois faire. Une fois fait, on peut retirer le papier contour et ne conserver que notre profil. Je le place sur mon carton et je fais bien attention de bien composer mon image et de placer mon visage pour qu'elle prenne le plus de place possible. C'est normal que vous ayez peut-être un surplus dans le bas. Ensuite, avec un crayon pointe fine noir, s'il te plaît, viens tracer doucement, sans bouger la feuille, le contour de ton profil. C'est ce qui va donner la ligne contour de ton profil. C'est maintenant le temps de remplir l'arrière-plan en gouache noire. Lorsque tu as des petits détails, utilise un petit pinceau, évidemment, ou tu peux essayer avec un marqueur noir pour venir remplir ces petits détails. Ensuite, une fois que tu as bien réussi cette étape, c'est simplement le moment de peindre avec la gouache noire le côté. Fais attention à ton découpage.